Alors je me souviens que Franck Darcel à l'époque, lui il détestait ce qu'on était en train de faire avec Arnold, parce qu'en fait il est rentré à Rennes et nous on a continué à travailler ensemble, Arnold et moi, à écrire des musiques. Et il aimait pas du tout cette direction un peu électropop qu'on était en train de prendre, enfin qu'on avait déjà vraiment exploité sur La Notée, mais ça lui plaisait pas trop, et pourtant il a fait une production fantastique avec ce titre. Mmh. Et dans le train, j'écoutais ça sur mon Walkman avec une cassette à l'époque, et je me suis dit, mais je crois que c'est un putain de tube, tu vois, j'avais l'impression vraiment... Ouais, t'avais raison. Que c'était un tube, et je me souviens que le soir même, on est allé chez une amie qui s'appelle Annie M. Salem, ouais. Et on a écouté ce titre-là, il y avait Stéphane et Nicolas Sirkis, ouais. Et tout d'un coup, je sais plus qu'ils ont changé de gueule. Ils se sont dit, le mec avec le perroquet sur l'épaule qui est sympa, tout d'un coup, je crois que c'est vraiment un concurrent là.